Hey, comment ça va tout le monde sur le campus de la Soltier Academy? Vous allez bien? Hein? Vous avez passé une bonne et une agréable journée? Vous avez passé un bon et un agréable... Merde, on est 4 jours. Ah ouais, c'est vrai qu'on est dimanche. Eh ben dites donc, exceptionnellement. Exceptionnellement, c'est ouvert sur le campus de la Soltier Academy. Bon, allez, rentrez. Remember it. Ça va tout le monde? Ça va, ça va. Au chill. Ouais. Ok, let's go. Ça part. Let's go. To the Six Invitational. They need to locate and defuse as many bombs as they can. All right. Allez, le premier kill qui vient d'être fait du coup pour Chavez sur le contrôle des rotations justement. Len qui est en train de prendre énormément de dégâts et qui va essayer de jouer à la grenade. La grenade elle est bien envoyée. Et boum, le kill magnifique de la part de Len. On n'a absolument aucun impact sur le round. On essaie de jouer ce diffuse. Mais ça ne servira à rien. Et derrière, assez logiquement, on vient se faire sécher par Len. Trop facile pour l'attaque. Trop facile. On a des défenseurs qui sont beaucoup trop passifs. Vraiment trop passifs. On ne fait pas grand chose et derrière on se fait complètement sanctionner. À l'image de cette grenade qui vient d'être envoyée par Len une fois de plus. Deuxième kill à la grenade. Oh, l'énorme flic de la part de Len là. Sur pourtant une petite ligne pas facile à prendre. Derrière on est en train de dérouler et il est déjà tout seul le Wamai. Condamné à réaliser l'exploit qu'il va peut-être réaliser. Premier kill fait de la part du Wamai. Deuxième kill fait de la part du Wamai. Et on va venir challenge là. Le petit air jab. Et derrière il reste plus que 10 secondes et c'est quasiment terminé. Allez, il faut y aller là. Faut arrêter avec les petits pics qui servent à rien. C'est bien sympa. Et ça sert juste à faire perdre la ligne de la personne en face. Et une fois qu'elle a perdu la ligne, là on devrait pas faire ça en fait. On devrait venir prendre sa ligne. Allez, le kill de la part de l'Ace de l'autre côté qui vient justement d'ouvrir. Et le deuxième kill de la part de Len. Et on se retrouve dans une situation, une fois de plus, très inconfortable de la part des défenseurs. Mais attention quand même à ce kill. Non, la revenge, elle est instantanée de la part de Len. Magnifique. L'entry est réalisée sur ce bomb site. Derrière, le magnifique move de la part du Jäger. Oh, qui ne va pas réussir à faire tomber. Qui réussit à faire tomber le porteur du diffuse, il me semble. Non, même pas. On est à une minute de jeu et on manque d'intensité. Il n'y a pas de kills qui sont faits. On a un peu peur. On commence juste à casser des caméras T1. Et derrière, on drone pas des choses qui sont élémentaires. On va challenge, mais derrière, on se fait complètement sanctionner. Et plus ça va aller dans les quelques secondes qui vont se passer, ça va aller très vite à mon avis. Parce qu'on a un setup qui est très bien en place de la part de la défense. Et là, ça va être quasiment impossible de venir faire quoi que ce soit. Premier kill, deuxième kill, troisième kill. Le montagne, quand bien même arriverait à faire un kill qu'il n'arrivera pas à faire, que c'est déjà terminé. GG, well played. Et ça, ça se voit dès le début. Salut! Bien le bonjour! Vous êtes. C'est bon pour les équipes là? Vous êtes attaque-défense? Oui, monsieur. Vous pensez que vous avez le niveau pour être au Six Invitational? Non, monsieur. Pourquoi vous l'avez pas? Non, pas les compétences requises, monsieur. Et quelles sont les compétences requises, FS triple point? Avoir un bon game sense, monsieur. Avoir aussi un esprit fluide et concis. Et avoir gagné une Pro League, bien entendu. Ah, bien évidemment. Est-ce que le fait de gagner une Pro League fait des gens qui ont gagné une Pro League en année 1 des champions du monde, penses-tu? Oh oui, j'ai vu Twitter, monsieur. Oui, bien sûr. Bien évidemment. Non, mais toi, Tipeee, t'es de la Salty Academy. C'est normal que tu ailles dans mon sens, autrement t'es viré. Mais oui, ils le sont pas, tu vois. C'est très bien, FS. Vous êtes de braves personnes, je vous aime. Allez, let's go, have fun. Bisous, du coup, pour le staff de la Salty Academy. Staff actuel et staff ancien. Ok, bon, visiblement, bisous, on va pas le suivre parce qu'il arrive pas à tirer sur des drones, quoi. Ah, il a cassé un drone. Nice. Allez, le C4 qui a envoyé, c'est hyper bien joué. Oh, mid-air, il a voulu tenter, mais c'est pas passé. Et on essaye de jouer au niveau du main. De l'autre côté, Zuki qui prend énormément de dégâts et qui va tomber sous les coups de Baizu. Au niveau de cette fontaine, ça part dans tous les sens. Déjà dans une situation de clutch pour ce Flores magnifique. La décale au niveau de cette fontaine. Et on va quand même se permettre de droner malgré le fait qu'il reste 20 secondes. On va pas droner en fait. On va essayer de faire bouger cette personne qu'on avait vue là-bas.
et pour laquelle on va pas pouvoir faire grand chose à part flasher et regarder à gauche, ça pourrait être intéressant. On va quand même faire le kill, ce qui est hyper intelligent de sa part. Maintenant il lui reste 7 secondes pour aller terminer, faire le dernier kill. Oh, le turn de la part de Tipeee qui passe à 6 secondes de la fin. Magnifique. Bien joué de la part du Flores. Ça manquait un peu de... Hein ? Ça manquait un peu de percussion sur les décals. Mais néanmoins, l'intelligence était là. Et comme quoi, sur Rainbow Six. Voilà quoi. Ok. Et on vient défendre un T1. Attention, la flash là quand même, ça va être compliqué pour lui. Très bien joué de la part de... Très bien joué de la part de Laibana qui prend énormément de dégâts. Néanmoins, qui arrive à faire tomber la première personne. Mais la revenge derrière de la part de Baizou, c'est extrêmement bien. Qui arrive à protéger le Mozi tombé derrière. Attention, on est en train de partir un petit peu dans tous les sens. Attention, on fait check. Attention, on fait check. C'est pas normal, ça. Oh, l'énorme tête quand même de la part de la nomade. Et derrière, on est dans une situation de clutch pour le maestro de cette équipe. On essaie quand même de venir jouer ce 1v1. On n'est pas stupide. On sait très bien qu'il y a d'autres personnes qui vont nous jouer. Et en même temps, on essaie de balancer un pré-shot à droite, un pré-shot à gauche. Mais ça reste maestro. C'est pas forcément évident. Et on se fait avoir. Le boulot du sledge ici, clairement. On n'est pas dupe. Oh, attention, derrière, justement, c'est en train de dérouler. Peut-être qu'ils vont le faire, l'attaque. On ne va pas pouvoir aller jusqu'en overtime pour l'équipe de FS et de Closet. Une fois de plus, j'ai envie de dire condamné à l'exploit, les deux. Et derrière, on a même profité pour pusher sur le site, bien évidemment, puisqu'on est 5. Et on vient faire le kill, enfoncer le clou. Closet est tout seul. Ah, attention quand même, attention quand même. À la possibilité d'un retournement exceptionnel de situation. Ouais, on vient de prendre la formation avec les vitres, bien évidemment. On vient de le pinguer à travers, mais la tête qui part, attention quand même. Et il reste que 15 secondes, je diffuse. La tête qui passe de la part de Closet, le 1v1. Va-t-il le faire? Derrière, s'il prend le temps, il va pouvoir aller jouer directement sur la pose du diffuse. C'est gagné en fait pour le défenseur. On lui donne l'information que c'est en train de diffuser. Non, oui, non, oui, c'est en train de diffuser. Oh, magnifique. Et tranquillement, comme ça, on vient resserrer les taux. Mais attention, quand même, à la possibilité que quelqu'un revienne dans le dos. Il y a des personnes qui s'amusent à faire yesh. Ils prendront un ban. Ok, bien joué en tout cas de la part de Surinou. Le sait-il qu'il a fait tomber quelqu'un? Oui, bien joué. Et c'est lui qui va faire en sorte que le Maverick, bah, du coup, soit condamné à l'exploit. Le Maverick de cette équipe qui va quand même faire le premier kill. Le second kill. Attention, quand même. Attention. Il a le temps de planter. Il a le temps de planter. Et il est très low. Très très low sur Inyo. Mais on va pas se faire avoir. Très bien joué de la part de Sirinho derrière. Le petit pic à gauche, le petit pic à droite. Et on joue sur le fait de ne pas faire de bruit. On prend les informations au niveau de cette rotation de la kitchen. Personne n'est rentré sur le... Et derrière Chiki qui vient ouvrir son compteur de frag. S'il y a bien quelque chose que l'attaque ne voulait pas, c'était bien ça. Et derrière, ils sont plus que 3 déjà, les attaquants, et rien, tout est à faire. Zuki qui vient enfoncer le clou, ça sent très mauvais pour le staff de la Salty Academy, qui, je le rappelle, n'est plus le staff de la Salty Academy avec l'ace qu'ils ont pris tout à l'heure. Ils seront tous virés de toute façon. Ah, on arrive à peine à mettre à terre le capcan de cette équipe. Et derrière, Bizou condamné à un exploit qu'il ne réalisera pas. 5 à 4, from 1-3 to 5-4. GG, well played. Magnifique match. La finale, vous l'avez, de cette Campus Cup Road to Six Edition. C'est Square Project, les Français que vous venez de voir, face à Diavoli, les Russes. Have fun, guys. Et l'insertion, du coup, des Français. Les Français sont à l'attaque en bleu. Le C4. Le C4. Le C4. Allez, Octogirl derrière, Trenvix au final qui va faire le kill. On a Nomad, elle, qui va se défaire de Rorik. Allez, on va décaler au niveau de cette target, au niveau de la target. Mais on va malheureusement pas trouver grand-chose. Le C4 part. Lui non plus ne trouvera pas grand-chose, mais le... Bien pressenti, là, de la part de Neki qui vient décaler au shotgun. Premier kill, pas de second. Néanmoins, on laissera une Twitch très low en HP. Le sait, elle, que quelqu'un est au sol. Oui, elle le sait. Son teammate se fait avoir par derrière, en revanche... Et ne pourra pas faire grand chose. Bien joué de la part des Russes. 1-0 pour eux. Allez, derrière le Capcan. Il a faim, visiblement, le Rorik de cette équipe. Mais cette fois-ci, il a encore perdu un petit peu de. Wow, il a perdu. Wow. Non, 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 je dis non. C'est non. Et on se fait
sanctionné cette fois-ci par ce move en mode escape parce qu'on a une grenade au fion. Les gadgets de Thunderbird, très bien joué là de la part du smoke dont on vient de voir. Parfaitement le kill, mais attention derrière. Le trap de Capcan qui tue la Twitch mais qui tue quand même FMX aussi, son propre collègue. Et derrière il reste plus qu'un attaquant. Tout s'effondre. On va venir prendre la formation. La tête magnifique de la part de Sticky qui du coup peut jouer son réel clutch 1v1. Et on a la formation. On a la formation qui s'est heal, voire même over heal. Et on va pouvoir en faire de même. Il a tout son temps, il a 30 secondes pour le faire. Sauf si on fait ça. Sauf si on décide de faire ça. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On met quelques balles, c'est pas mal. On aura pu mettre une tête ici, là. Et on peut même se heal, et c'est pas mal du coup. Du tout ce qu'il a fait, Steaky. C'est pas mal du tout ce qu'il a fait, Steaky. On n'a pas dit que c'était de la merde. Oh là là, il est chaud. Et derrière, la Twitch aussi, elle est chaude. Non. Oh, et derrière, attention. Attention, le CK, très bien pressenti de la part du russe. Oh, le C4, malheureusement. Oh, la Finca qui va pouvoir se relever. Néanmoins, il avait le Thunderbird juste devant lui, mais derrière, ça ne servira pas. 2-1. Ils jouent très, très bien, les Russes. Hit Bedroom, attention. Attention, derrière, on a essayé d'être extrêmement agressif de la part de Yako. Et on se fait sanctionner sur une prise d'information, à mon avis, externe, au niveau des... avec les caméras. Bien joué, ça, la position forte dont je te parlais tout à l'heure. On prend des petites infos. On prend une petite grenade au niveau de l'oreille droite. Attention à droite, attention à droite, attention à droite. Eh ouais, on est un petit peu crédule là-dessus. Attention à Melusi là qui... Oh, la tête magnifique de la part de Ryze. Oh, et ça ne passera pas en revanche. Derrière, la Finca, le premier kill, peut-être le second. Magnifique le second kill. C'est pas lui qui le fait, c'est FMX. Et il ne reste plus qu'un défenseur, c'est le Sorn. Le kill, grâce à son gadget, ramène tout ça en 1v1 au final. En 1v1. Il l'entend? Il l'entend, mais ça ne suffira pas! Il le savait, c'était lui qui l'avait mis au sol tout à l'heure. Très bien joué de la part de Volone. Ah, et la petite agression vers l'extérieur qui va pas donner grand chose, puisque derrière en plus on a la Ibana qui veille au grain. Attention, néanmoins, Valkyrie qui va quand même tenter l'intentable. Et Twitch qui se fait surprendre une fois de plus par Sticky Sneaky. Il est intelligent. Et il va se replacer. Petit lésion. Pas le meilleur des lésions malheureusement parce qu'il peut tomber dans le corner. Ça c'est un détail mais c'est important. Et derrière on va prendre une grande ligne. Mais forcément en face on a un Akog. Yaku néanmoins qui va tenter un comeback au niveau de cet escalier. Position strong. Nope. Oh, le shotgun raté de la part de Yakul. Il a raté la ratable. C'était ça qu'il fallait pas rater. Derrière, attention, Cuivradzi. Le premier kill de la part du joueur français. Le deuxième kill. Laissant entrevoir la possibilité de... la possibilité de revenir. 1-1-1. Rien du tout. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Oh, attention, attention derrière. Ayana qui prend énormément de dégâts mais qui va se défaire déjà de Cuivradzi. Et ça c'est pas cool, c'est pas cool. Est-ce que Melusi arrivera à faire quelque chose sur un cross shot au niveau du 90? Oh là là, bah non, elle va pas faire grand chose parce qu'elle va se prendre un énorme travers de la part de l'Ayana de cette équipe. Et attention à cette grenade. Ouh, ça n'a pas passé loin pour la Valkyrie à mon avis. Les défenseurs arrivent à revenir néanmoins et à faire tomber deux des attaquants. Mais je ne sais pas si ça va servir à grand chose. Steaky est déjà en 1v3 qu'il ne réussira pas. Ça va trop vite. Ça va très vite. La flash est envoyée au niveau du 90. Double flash pour essayer de pusher sûrement au niveau du VIP. Et derrière c'est ce qu'on va essayer de faire à mon avis. On vient de faire tomber le Mozy de cette équipe. Beaucoup de dégâts pris par Thunderbird. Il pourra se permettre à deux reprises de ne pas mourir et d'aller prendre tous les heals possibles et imaginables. Et derrière, d'avoir un bon timing bien pressenti pour faire un kill, mais pas deux. C'est FMX qui prendra la revenge. Rorik qui se trouve un petit peu au milieu du 90, qu'il avait pushé sur sa double flash très probablement. Et qui va pouvoir jouer tout seul le VIP. Mais c'est pas simple, il va falloir se défaire de cette personne avec l'aide peut-être de la grenade par en dessous. Non, pas besoin.
Sledge derrière qui est absolument convaincu que quelqu'un reste au niveau de cette armorerie. Personne. En revanche, il y a quelqu'un au niveau du VIP. Et je ne suis pas sûr qu'on ait l'info. Deux fois. Je ne suis pas sûr qu'on lui ait donné l'information que quelqu'un s'était replacé là où était placé tout à l'heure la Valkyrie. Allez, on s'insère du côté des attaquants, du côté des Français. On attaque et voilà comment on s'insère dans le front d'un Russe. Et cette seconde chance, elle s'appelle Thunderbird. La même Thunderbird qui se fait avoir par la Twitch. Deuxième kill. Neki, derrière, se fait niquer. J'adore rire. J'ai le droit. Il est 21h30. Oh, le double kill de la part de Octogrill. Le pulse de cette équipe. J'avais bien pris l'information, visiblement, au niveau de la place forte. Le 90, double kill qui change tout. Et on va devoir, malheureusement, en plus, gérer avec le gadget dégueulasse de Tachenka. Ça va être compliqué, ça n'arrivera pas. Allez, derrière, on entend un C4 qui a été préplacé, visiblement, quelque part. On prend l'information. Kuvradzi, tout à l'heure, monstrueux sur son double entrée frag. Va-t-il reproduire l'exploit? Et derrière, on va rentrer. Bah ouais, logique. On va rentrer, mais le C4! Le C4 préplacé dont je parlais il y a 20 secondes. On avait pourtant entendu sur la pauvre du joueur français. De la petite araignée gadget de Mozi. La petite écale au niveau du VIP. Quelle est belle! Oh, c'est pas une tête ça! What the fuck, man? Allez, on va pouvoir relever Voron qui visiblement n'avait pas vu le trap de Frost. Et derrière, on va se faire sanctionner. Ça sent mauvais pour les Français. Ça sent très mauvais sur les Français. Il ne reste plus que Voron qui est condamné à l'exploit. Avec ses deux pauvres HP. Coucou. Et on va essayer de jouer de l'autre côté, forcément, en toute logique. Oh non, et le timing, il est au niveau de la guitare. On n'a pas cette information capitale. Oh, ça, c'est intelligent. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est intelligent. Il peut le faire. Il peut le faire. Il peut le faire. Il peut le faire. Il va le faire. Mais nom de Dieu, mais il est intelligent. Pas besoin d'HP quand t'as du QI. Allez, on rentre. Ouais, ouais, mais on rentre, mais... On n'a pas pris l'information là qu'on venait de casser le truc et que Rory qui s'en bat les steaks. Neki néanmoins est mis au sol, premier défenseur peut-être, et l'espoir de voir les Français revenir en overtime. Oh là 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 là, Rory trop chaud. L'idée est bonne là, derrière, de s'être replacé. Je ne sais pas si l'arme dépasse, je pense que l'arme dépasse. Est-ce que l'arme dépasse? Non, l'arme ne dépasse pas. Oh, dommage de ne pas avoir profité de ça. Une minute. Et ça sent pas bon. Pour les Français, ça sent la fin. Et la tête qui passe pas, mais qui passe finalement. Mais derrière, le revenge est immédiat. Et c'est terminé. C'est terminé. Les Russes gagnent cette Campus Cup. GG, well played. Russie 4, France 2. J'étais sur ton live et je t'ai vu avancer avec ton agent doucement tout en restant debout. Comment tu fais? J'appuie sur la touche marcher. Je sais, c'est assez incroyable. Va-t-il falloir que je fasse un tuto là-dessus aussi? Bien, marcher quoi en fait.